Dans cette nouvelle vidéo, j'ai fouillé la majeure partie de Mandarin pour trouver des modes insolites, voire même complètement bizarres ou étranges. Du coup, je les ai téléchargés et dans cette vidéo, on va les tester quoi. Cependant, la majeure partie des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à cette chaîne. Mais qu'est-ce que vous attendez? Vous regardez la chaîne quasiment plus d'une fois par jour. Mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! On n'attend que vous! Sur ce, on y va! On commence de suite avec ce pack de textures nommé Broken Mobs. Donc, mob cassé, on pourrait dire ça. Donc, c'est assez what the fuck, hein, comme on le remarque. Oh, regardez l'axolote. Il est juste énervé. Le retour du bug de texture. Le bug de texture qu'on refait. Alors, bien évidemment, je vais télécharger ça. On va télécharger ça plus tard. On va voir comment ça rend. Le bugué des... Tout va bien. Ah, d'accord. Le blaze, t'es blasé là. Waouh. L'abeille. Eh ben... D'accord. Non. Wesh. D'accord. La chauve-souris, elle est buggée. L'axolote est énervé. Tranquille. Le piglin brut, il... Alors voici la mushroom. Ouais, c'est vraiment buggé. Hugo, le cochon, il est vraiment... il a la tête à l'envers, quoi. Le creeper a pris en partie la forme du cochon. Oh, le shulker, je sais même pas s'il est cassé. Ah oui, d'accord. Ouais, ça ferme pas. Ouais, non, ça fonctionne pas. Alors, est-ce que le glossweed est... What the fuck? Attendez. Ouais, garde la pêche. Ah, d'accord. Oui, garde la pêche, tant qu'on... C'est quoi sa gueule, là? Oh non, les moutons, ils sont ridicules. Alors, là, nous avons le... le squelette. Il devait... Symbole de Koh-Lanta. La vérité, c'est ça. Alors, j'ai oublié que le glossweed et le squid ont quasiment la même apparence. Mais aussi la tortue. Il a perdu un peu sa tête. Le villageois est... On a le zombie. Ouais, un peu bugué. Bon, et là, ça part vraiment en couille. Vous voyez les crapauds? Et voici le crapaud en arc. Et qu'est-ce que ça tire? Des lucioles. Bref, on télécharge et on vous regarde comment ça rend. Sinon, voici votre nouvel arc. Et voici vos nouvelles flèches. Regardez. Ça n'a juste aucun sens. Vous connaissez sans doute ce même. Et je l'ai trouvé directement dans Minecraft, voire même ça ajoute plusieurs items à vrai dire. Et regardons tout ça. Alors, il s'agit du mode Metal Pipe. Et déjà, qu'est-ce que Metal Pipe sans le Metal Pipe original? On peut l'avoir, c'est vraiment comme une épée, hein, voilà. Mais il y a plusieurs sons qui sont un peu what the fuck.
Donc, on va le tester et vous savez quoi? On l'installe maintenant, tout de suite. Donc là, on est sur le mode de barre de métal. J'ai pas vu d'autre chose. Du coup, on va commencer avec celle-là. D'accord. Ok, d'accord. Alors, ensuite, on a aussi celui en or. Voilà, donc on a celui en métal, celui en or. Alors, faut que je trouve un mode par contre pour ça. Il n'y a pas trop de mobs. C'est quoi ce genre de truc là? D'accord. Et toi, tu meurs! D'accord, alors. Ok. Ensuite, on a celui en cuivre. Ah, il fait pas de bruit? Ok, et on a celui en netherite. Et bien, il faut déjà que je trouve un mob. Attends, ça fait quoi? J'ai pas compris. Donc le voici. J'ai pas compris un peu le bail en fait. Donc, mais par contre celui-là. C'est bruyant et c'est. Ah, ça fait bien! On a aussi ce mode. Alors, bon, là, c'est encore un mode sur le fameux Metal Pipe. Et là, pouah! Et ben, comment dire que là, c'est plus Crash Pipe. Je vais vous expliquer. Si le jeu crash, et ben, ça joue le son de ce même, de ce même. Je vais pas le remettre une seconde. Alors, je n'avais pas enregistré ça, mais ça a planté sur moi. Le jeu a planté sur moi, en fait. Je sais pas pourquoi. Le jeu s'est bien et bien lancé, initialisé parce que j'ai bien entendu le bruit. J'ai sursauté. Vous n'avez même pas vu. Je disais, ouais. Putain, c'était tranquille. Puis là, d'un seul coup, là, j'entends un bruit de sortant de nulle part. Je me dis, oh putain! Et j'ai sauté. Là là! La vérité, faut que je mette ça sur le mode pack, comme ça je l'ai fait crash. Alors je. Et ça va! Là là! Et bon. Oh non! Et. Dommage, mais bon. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Je sais pas pourquoi y a rien qui fonctionne. J'ai trop de galères avec Minecraft. Là, des dépendances, et maintenant c'est le mode qui plante. Putain, mes oreilles! Tabarnak! Ah là là, X-Ray, c'est magnifique. Ça te permet de tout voir à travers. Et si on faisait générer un monde, eh ben, c'est ce que j'ai voulu faire avec ce mode-ci, X-Ray World Generation. Mais what? Mais wesh, Kinsley, là, t'abuses. Oui, je sais. C'est en fait ce mode change la génération du monde pour qu'il y ait que ce qu'on voit normalement dans un X-ray. Donc, ça va être fun. Et vous savez quoi? On installe maintenant. Peur du monde X-ray. J'ai peur du résultat. Mais lançons-le! On est là, les! Ok, alors déjà, ouais, alors garde la pêche, hein. Garde la pêche, c'est. Attends, y a rien,
Y a plus rien. Y a plus rien. La vérité, y a plus rien. Y a la géode, mais y a plus, y a pas le bois, mais y a rien. There's nothing. Oh, attends, je vois en bas. Cette façon d'avoir du bois, c'est en priant. La vérité, c'est ça. Par contre, on peut voir la fréquence des diamants. Ça, c'est pas mal. Mais ben en fait, tu peux pas vraiment survivre dans ce monde parce que t'as pas de pierre. Quoique la Mossy Cobblestone compte pour. T'as pas de bois. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est choquant. Hein. T'es obligé de te cliver une bioche en diamant. En fer pour commencer la survie. Non, même pas. Quand tu dois faire ta maison, tu dois le faire la faire en bloc de cuivre. La vérité, il faut vraiment le faire en bloc de cuivre. Et puis pour les plateformes, tu utilises des blocs de charbon. T'es obligé de te give une... La vérité, t'as même pas de... T'as pas de stone dans ce monde. T'as pas de stone, t'as pas d'herbe, t'as pas d'arbre. Et si on mettait tous les mobs dans des seaux, n'est-ce pas? Eh ben, ce mode nommé Bucketable, te le permet. Tu peux mettre n'importe quel mob. Et là, bon, il y a plusieurs commandes. Bon, après, mais étant donné que c'est un datapack, ben, on va l'installer. Voilà, vous savez quoi, on va l'installer. Ça peut être vraiment drôle. Ok, du coup, nous sommes dans le jeu, toujours dans le même monde, hein. Voilà, alors du coup, on va spawn un mob par exemple, un Wither Squelette par exemple. Là, vous voyez comment il s'agit de mon seau quand je le pointe. Et là, normalement, si je fais ça. Donc là, j'ai un seau de Wither Squelette. Mais ouais, on peut. C'est un peu tout. Hein. On peut aussi, je suppose. Faire spawn un LA. Vinéo. C'était pas censé se passer comme ça. Ah voilà, là je lis. Donc là j'ai un saut d'LA. Tranquille. Comme si de rien n'était. D'accord. Moi j'ai aussi un saut de magma cube. Aussi, attendez, il y a un truc qui n'est pas logique. Par exemple, l'Underman. On est d'accord qu'il n'aime pas l'eau. Si je pose de l'eau sur lui, il prend des dégâts et il se barre. D'ailleurs, il s'est barré. Ben, il a disparu. Sauf que... On peut le récupérer dans de l'eau. Sauf que du coup, ben, quand on le relâche, eh ben, il va juste se barrer. Hop, je le récupère. Hop, ça j'en ai pas besoin. Donc, aucune idée de à quoi ça, de l'utilité. Ah, quoique pour amener les mobs, c'est bien plus facile, je l'avoue. Mais sinon, je vois pas d'autres idées par rapport à ça. Et bah du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à activer cette cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, c'était Andrews, et moi, je vous dis, tchuss. D'ailleurs, il y a un truc qui est pas normal sur cette outro.